Merci à tous d'être présents à la keynote de fermeture. Pardon. Pardon, un des derniers talks de la conf. L'intitulé du talk, c'est Scala de Bad Praxis. Et l'idée de ce talk nous est venue suite à des discussions avec Loïc sur les pain points que j'ai rencontrés justement pendant mon apprentissage de Scala et les retours d'expérience de Loïc sur les différents projets Scala où il a bossé. Et le constat qu'on a fait, c'est de manière générale, on peut facilement écrire du mauvais code. En Scala, cette assertion prend encore plus de sens et pour différentes raisons. Et la plus évidente à notre sens, c'est le fait que Scala soit un langage hybride qui allie et programmation fonctionnelle et programmation orientée objet. Donne lieu justement à une absence de consensus sur les best practices et sur les idiomes à utiliser en Scala. Et on se retrouve au final avec 4 clans qui utilisent Scala. Et donc ça, c'est pas cool. Donc petit disclaimer, justement ce qu'on va dire sur toutes les préconisations dans ce talk s'inscrivent dans la partie fonctionnelle Scala. Et mais avant de diguer un petit peu plus sur le sujet, passons aux présentations. Donc je m'appelle Badr Badou, je suis développeur Scala chez Zina depuis un an. Et bonjour à tous, c'est bon non. Je prends le micro. Donc moi c'est Loïc Michel, je suis tech lead chez Zinéa. Donc un petit mot chez Zinéa, on est une startup éditrice d'un data catalogue. Donc voilà, si jamais vous voulez en parler, on sera très heureux d'en discuter avec vous. Donc commençons avec les mauvaises pratiques très très communes. Là je pense qu'elles sont assez consensuelles, mais c'est important de toujours les rappeler. Notamment pour des débutants qui ne les auraient pas encore vus ou ce ne serait pas encore très clair que ce soit vraiment des mauvaises pratiques. Donc on a laissé quelques-unes ici, pas de nul, pas de trop, la première, la plus importante pour moi. De la même manière, les isEmpty, get, qui sont théoriquement safe si on les fait bien comme il faut, mais on ne veut pas dépendre de ce qu'on a fait avant, donc autant utiliser les maps et fold et compagnie. Les noms symboliques des fonctions, c'est horrible, vraiment. Les types primitifs, il ne faut pas trop en utiliser, on reviendra un petit peu plus en détail après. De la même manière, quand on utilise des librairies, c'est important de ne pas se récupérer dans notre code les conventions de la librairie, surtout quand on utilise plusieurs librairies, on pourrait avoir des conventions différentes, donc vraiment s'isoler des librairies qu'on utilise. Le dry, don't repeat yourself, tout le monde le connaît, beaucoup trop à mon avis, on reviendra dessus. Et mixer les paradigmes, donc orienté objet et fonctionnel. Alors que, comme a été dit, c'est plutôt impératif que orienté objet. Mais effectivement, mixer les paradigmes, ça donne de mauvaises surprises. Donc si on rentre un petit peu plus en détail, primitive obsession. Primitive, les petits primitifs, vous les connaissez tous, int, string, boolean, long et compagnie. C'est quoi le problème? C'est qu'il ne propose aucune sémantique. Donc on a une string en paramètre, ben on ne sait pas ce qu'elle contient, ce qu'elle est censée contenir, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme valeur. Donc pareil pour int, et ainsi de suite. Donc autant que possible, ce qu'on essaye de faire, c'est de les remplacer par des types custom. Donc en ce cas-là, on peut faire des case classes qui étendent anyval, et du coup on n'a pas de prix au runtime, mais on a la sûreté que du coup, ces types qui deviennent incompatibles, on ne peut plus les mixer entre eux, et du coup ils ont un peu plus de comportement. Donc là j'en parlais justement, on peut pas mixer les types custom entre eux. On ne sait pas quand ils ont été validés, donc du coup le talk juste avant qui était sur type raffiné, souvent on va avoir besoin de faire de la validation de données, et si on a en entrée une string, qu'on la valide et qu'on récupère une string ensuite, et qu'on continue de la passer un peu partout dans plein de fonctions, on ne sait pas si ce string a été validé ou pas, parce que le type ne le porte pas. Et en général, on se fait confiance, et en général, ça marche 99% du temps, ce qui laisse 1% de bugs, qui est en général énorme. Et donc du coup, avec des types, si on a un type différent en entrée et en sortie de notre validation, du coup, on sait que notre type en sortie de validation, il est validé, et on peut être garanti là-dessus. Et enfin,
Bah, du coup, vu que c'est type primitif, ce n'est pas notre code à nous, donc on ne peut pas coder des fonctions qui ont un sens métier. Donc du coup, on va être obligé de répéter encore et encore du code bah, très technique, pas très intéressant. Et donc du coup, on va perdre de la sémantique dans le code. Un deuxième, donc du coup, le fait que les librairies peuvent nous imposer leur convention. Donc typiquement, ce qu'on va faire pour se protéger de ça, c'est écrire tout simplement un wrapper. Pour bah, du coup bah, wrapper toutes les librairies et faire plusieurs transformations là-dessus. Donc ce qu'on peut faire, c'est tous les types de conversions, notamment en Scala, quand tu utilises les librairies Java, on a pas mal de choses à faire. Donc les nuls en option, les throw en try, les collections Java en collection Scala, les types primitifs, bah, autant les wrapper dans des types custom qu'on a vu juste avant. Si jamais on a des librairies qui essaient de faire un peu générique, mais comme en Java, c'est pas très puissant, on peut se récupérer assez facilement des any. Et du coup, bah, autant les mettre directement dans un ADT ou dans des structures plus adaptées, qui seront un peu plus safe qu'un ANI qui se balade un peu partout dans le code. Et donc garder tout ça à l'intérieur du wrapper et que ça ne pollue pas tout le reste de notre code. Ce qu'on peut faire ensuite, c'est ce que j'appelle les shifts de paradigme. Ça, c'est un peu plus alors, avancé, pas techniquement, mais par contre, ça donne beaucoup plus de responsabilités au wrapper. Donc typiquement, bah, très souvent, avoir des librairies qui vont avoir des types mutables, bah, c'est pas cool, on n'aime pas trop ça en fonctionnel. Du coup, bah, les transformer en casse-classe immutable, et du coup, bah, on ne pourra pas les muter dans notre code. Pareil, si on veut avoir du currying, c'est assez rare dans des librairies Java, on peut rajouter ça dans notre wrapper et avoir des fonctions curifiées qui appellent derrière des fonctions qui ne le sont pas, mais il n'y a pas de problème là-dessus. Ou passer par exemple des appels synchrones, des appels asynchrones, donc en utilisant bah, des futurs ou même des I/O. Donc ici potentiellement avec un thread pool dédié, puisque bah, on ne veut pas aller manger les threads du reste de l'application. Donc ça, désolé. Donc grosso modo, dans le domaine driven design, c'est des choses que j'aime bien. Ils appellent ça anti-corruption layer. Ce n'est pas exactement la même chose, mais c'est des principes qui se rapprochent de bah, isoler en fait les parties du code et se protéger de l'extérieur, grosso modo, pour avoir du code qui fonctionne bien et pas avoir de mauvaises surprises en interne. Clairement, au début, ça peut paraître un petit peu overkill. Et j'ai souvent, quand je parle de ça, j'ai souvent la remarque de bah, c'est vraiment compliqué, c'est lourd, c'est pénible et tout ça. Bon, là-dessus, ça vous sauvera la vie, faites-moi confiance, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois. Et enfin, mixer des paradigmes. Donc, grosso modo, on va voir du code. Alors là, vous allez être évidemment d'accord avec moi, j'imagine, j'espère en tout cas, que ça, faut vraiment pas le faire. Et puis ça non plus d'ailleurs. Parce que là, vraiment, on comprend plus rien. On a une fonction qui renvoie un try ou une option et on se récupère un nul ou un throw. C'est vraiment incompréhensible. Et en revanche, alors ici, ça paraît très évident. Parce que bah, c'est en deux lignes. Quand on a des appels de fonctions, d'appels de fonctions, d'appels de fonctions qui appellent des libs qu'on ne connaît pas spécialement, et ainsi de suite, on peut en fait assez facilement se retrouver avec des choses comme ça sans s'en rendre compte, et ça peut être vraiment la galère. D'où notamment le côté wrapper autour de la librairie, qui permet de garantir que bah, toutes ces choses-là restent à l'intérieur du wrapper, elles ne sortent pas, et après on est relativement safe. Et enfin, par rapport au cas qu'on a vu au-dessus, donc le dry, donc don't repeat yourself, donc c'est quelque chose qui était très très intégré par la communauté de développeurs. Et c'est très bien pour le coup, effectivement, c'est la duplication de code, ça peut amener à beaucoup d'erreurs, il y a de la répétition et il y a des demi-corrections, c'est-à-dire qu'on corrige le bug à un endroit mais pas à un autre endroit, du coup il reste à moitié. En revanche, on l'applique un petit peu trop à mon sens, et du coup on essaye de généraliser des bouts de code et de mutualiser des bouts de code qui ne devraient pas l'être. Donc typiquement ici, on a une casse-classe user, bon, avec des valeurs, et notamment un ID qui est optionnel. Pourquoi on a mis cet ID optionnel? Bah, typiquement, on ne veut pas créer trop de classes, et donc du coup, bah, quand on crée un user, on n'a pas d'ID, donc il est unknown. Et puis après, une fois qu'il est créé, bon, on le récupère, on l'utilise, et donc là, il y a un ID. Donc en fait, dans un cas, on n'en a jamais, et dans un autre cas, on en a toujours. Et vu qu'on réutilise la même classe, bah, du coup, on met une option. Et donc du coup, quand on l'utilise, finalement, c'est pas trop. Et donc du coup, si jamais on code quelque chose comme ça, on va faire des points get de partout. Parce que bah, on sait que grosso modo, on est censé avoir l'ID. Ou alors, on va gérer des cas d'erreurs qui arriveront strictement jamais, parce que normalement, on a notre ID. Donc le conseil là-dessus, c'est bah, du coup de faire des modèles métiers qui correspondent et de ne pas avoir peur de créer des classes. Donc ce qu'on recommande, c'est d'avoir bah, typiquement trois casse-classes. Une qui s'appellerait par exemple user création, qui n'a pas d'ID, parce qu'il n'y en a jamais.
Une qui s'appellerait User, qui est celle qu'on utilise le plus souvent et qui aurait bah, l'ID tout le temps. Et par exemple, si dans certains cas, on ramène plus d'informations pour avoir des données un peu plus constantes, bah, on peut créer une troisième classe qu'on peut appeler UserFull. Enfin, le nommage, on peut en discuter, mais en tout cas, avoir cette classe-là qui bah, a ces informations supplémentaires-là et qu'elles ne soient pas optionnelles tout le temps et remplies avec des valeurs par défaut qui font que ça marche, mais qui n'ont pas trop de sens. Donc ici, on a vu des exemples de code qui sont très courts, plutôt évidents, en tout cas, j'espère. En vrai, dans nos applications, y a beaucoup plus de code que ce qui peut rentrer dans les slides ici. Et c'est beaucoup moins évident de se rendre compte de ces problèmes-là. Donc c'est d'autant plus important de rester hyper attentif à ça, notamment quand on est plusieurs développeurs, que ça fait longtemps qu'on travaille sur l'application, qu'il y a souvent des inconsistances qui se créent au fur et à mesure de l'application. Toujours rester hyper attentif à ça, c'est très important pour les minimiser. Un autre constat qu'on a fait aussi, c'est que nous, en tant que développeurs, on a cette habitude fâcheuse de vouloir écrire du code super concis. Et des fois, c'est aux dépens de la lisibilité du code et un peu plus de sémantique. Et en ce cas-là, on est bien loti pour écrire du code super concis, donc avec les différentes possibilités d'usage de l'underscore, avec son sucre syntaxique assez riche, et avec la possibilité de nommer des méthodes avec des symboles. Donc, regardons ça de plus près, donc avec un petit exemple. Donc ce bout de code, clairement, il a quelques petites anomalies. Donc première des choses, donc on représente justement les structures de données via un tuple. Donc on n'a pas vraiment de sémantique. Ensuite, on utilise des symboles comme land method. Donc juste pour info, ça c'est un fold left, pour ceux qui ne connaissent pas. Et on est un peu trop concis sur le nommage des méthodes. Et du coup, en conclusion, au final, on se retrouve avec du code qui est un peu difficile à comprendre et qui confond justement concision et clarté du code et qui ne porte pas de sémantique. Donc, une des manières justement pour améliorer ce code, c'est une des manières serait justement de remplacer les structures données par des classes qui portent un peu plus de sémantique. Enfin, en l'occurrence ici user, utiliser des named pattern matching pour ajouter un peu plus de contexte, enfin, virer les symboles tout simplement. Enfin, pour les fans de Scalazy, je vous vois venir. Et ensuite, utiliser des named value pour ajouter un peu plus de contexte. En conclusion, il y a une règle qui est super intéressante et que j'essaie d'appliquer au quotidien, et qui consiste à encourager d'utiliser la concision dans les parties du code les plus communes, et rendre plus verbeux les parties du code les moins communes, pour le coup. Un autre constat qu'on a fait aussi, c'est... Oui, c'est une mauvaise habitude des développeurs, c'est que à chaque fois qu'on apprend une feature, on se précipite pour l'appliquer le lendemain. Et le meilleur exemple que j'ai trouvé en ce cas-là, c'est quand on parle de super feature, on parle des implicites. Et le meilleur exemple, c'est l'utilisation justement des implicites conversion là où il ne le faut pas. Et pour étayer mon propos, donc j'ai pris un exemple. Imaginez qu'on a un type arc qui est fermé à l'extension et auquel on veut rajouter un comportement de type show. Une des solutions, c'est de justement créer un type enrichi qui implémente ce comportement, rich arc, et de passer par une implicite conversion pour passer du type arc à rich arc. Le problème de cette solution, c'est que des fois, on applique justement cette conversion dans des parties de code où on n'a pas besoin de conversion, et on se retrouve à introduire des bugs en toute discrétion. Et donc ça, il faut pas faire. Et il faut toujours garder dans l'esprit
que, enfin, pour arriver à enfin pour implémenter un besoin, faut toujours utiliser des features qui répondent juste aux besoins et ne pas utiliser des features super puissantes. Enfin, une des solutions pour ce problème, c'est de passer par des implicites case class, bah, des implicites classes. Et cette façon de faire, en fait, c'est en toute, c'est justement pour mettre en exergue le principe de list power et de ne pas utiliser des super features là où il ne faut pas. L'autre mauvaise pratique, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer dans ce slide, c'est comment, avec une mauvaise utilisation des applis, on peut rendre le code plus complexe à lire. Et justement, on tue toute possibilité de faire du raisonnement local sur une base code. Donc, on a. Est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi le type de arc? Enfin, de la variable arc. Pas forcément. Pas forcément. Et je vais vous montrer pourquoi. Parce que le. Est-ce que ce code compile dans ce cas-là? Bah, l'explication, c'est que la méthode apply n'est pas un constructeur à proprement dit, mais plutôt une factory méthode. Donc, on peut utiliser apply et retourner un autre type du package, enfin différent du type du package object, appelons. Et ça, pour moi, c'est pas faut pas faire parce que justement, au lieu de se concentrer sur la partie de code et de raisonner localement, on est obligé de faire des allers-retours pour voir l'implémentation de l'apply. Nous, ce qu'on a fait au sein de Zinia, justement, pour éviter d'avoir ces allers-retours et de maximiser justement le raisonnement local, c'est de utiliser le keyword apply que pour les constructeurs et utiliser un autre keyword, en l'occurrence ici from, pour tout le rôle de factory method. Donc, quand on parle d'implicite, on peut toujours aller très loin. Donc, il y a des vraiment bons usages des implicites, mais il faut vraiment faire attention avec ce qu'on fait. Ici, typiquement, on a quelque chose d'assez sympa. On a alors, a priori un type property value et a priori on peut mettre n'importe quoi dedans. Bon, ça, on sent que ça s'appuie un petit peu. Donc, grosso modo, quand on voit ça, on se dit, voilà, c'est sûr que, alors, soit grosso modo, property value, c'est un alias sur any. Et c'est pas ouf. Soit sinon, il y a probablement des conversions implicites quelque part qui vont permettre de faire ça. Donc du coup, on peut chercher conversion implicite. Donc très souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde dans les imports, donc soit locaux dans l'object, soit un peu plus haut, soit en haut du fichier. Éventuellement dans les objets compagnons des objets qu'on utilise, et ainsi de suite, mais a priori, pas d'import. Et donc là, on se retrouve un petit peu bloqué. On dit, comment ça marche? Et moi, personnellement, j'étais dans ce cas-là et je ne savais plus où regarder et je ne comprenais pas du tout comment ce code pouvait marcher. Résultat, on fait un git blame et on va demander à la personne qui a écrit qu'est-ce qui se passe. Et en fait, le petit trick, c'était que les implicites étaient dans les package objects. Et donc, du coup, package object, tout ce qui est dans le package object est automatiquement apporté dans les classes qui sont dans ces packages-là. Et donc, les implicites sont là-dedans. Ils sont apportés sans qu'on ait aucune trace dans le code d'import d'implicite. Et puis, quand on a des implicites bien foutus comme ça, qui prennent par exemple un any en paramètre, du coup, ça s'applique à peu près tout le temps, à peu près quand on veut, mais aussi des fois quand on veut pas. Et donc là, typiquement, dans le property value, on peut faire ce qui avait été fait, un pattern matching sur voilà, si j'ai une string, je fais ça, si j'ai un int, je fais ça. Et ça marche, mais c'est incompréhensible. Alors là-dessus, on a eu la joie de découvrir qu'en fait, c'était quelque chose de recommandé dans la Scala Doc, enfin dans le site Scala. Donc voilà, on a été un petit peu étonné de ça, de mettre des implicites dans les package objects. Personnellement, je ne le recommande pas du tout. Après, chacun fait ce qu'il veut sur son projet.
Lors d'une discussion hier soir, j'ai eu une très très bonne métaphore. Donc les antibiotiques, c'est cool, c'est utile, mais c'est un peu comme le piment. Un petit peu ça va, mais il faut savoir quand s'arrêter parce qu'après c'est vraiment plus possible, quoi. Donc merci à Fred pour cette magnifique comparaison. Dernier petit chips pour la route. Je me suis retrouvé avec ce code-là, d'ailleurs pas très longtemps après le code précédent. Donc grosso modo, qu'est-ce qu'on fait ? On construit des propriétés et on met ces propriétés dans une espèce de props qui ressemble a priori à une map vu comment c'est construit. Donc, en partant de ce code-là, je dis bah, très bien comment ça marche. Alors déjà, c'est un petit peu étonnant parce que si on dit que props, ça ressemble à peu près à une map, on se dit les types, donc on a des props de... Donc props, c'est un type générique, donc de string de int, et derrière, on met string int. Donc du coup, le type de ça, c'est pas évident, je n'ai pas trop d'idées, parce qu'on ne peut pas mettre props de AB, parce que le B changerait, donc ici, on a string et int. Donc peut-être qu'on va avoir un maps de any, avec un peu de chance, je ne sais pas. Donc quand on regarde la classe props, on voit c'est prop name, prop value. Bon, alors ça a bien typé, c'est cool. En revanche, je ne sais pas du tout comment on passe de une prop ici et une string ici, ou en dessous une prop et un int, à ça. On dit, ça doit être évidemment le apply. D'ailleurs, quand on fait ctrl-click sur le props, il nous propose d'aller voir le apply, donc on va voir le apply. Et donc le apply paraît pas déconnant du tout. Grosso modo, il prend un var args de tuple de prop name, prop value, et fait un toMap dessus. Donc ça ressemble énormément au constructeur de map qui est dans la librairie standard Scala. Donc là, pas de surprise, mais du coup, toujours pas d'explication de pourquoi ce truc marche avant. Donc évidemment, à ce stade-là, on se dit qu'il doit y avoir des implicites, de la même manière que juste avant. Donc on va checker les implicites. Mais pas d'implicites, pas non plus d'implicites dans les package objects. L'astuce était ailleurs. Donc du coup, si on regarde prop, finalement, c'est assez trivial comme classe. C'est juste un name et un wrap. Et donc grosso modo, on utilise le apply pour transformer le string en name. Et en fait, l'astuce était ici. C'est tout simplement la flèche, tout simplement une méthode dans la valeur prop. Et en fait, c'était tout bête. Il suffisait juste de faire ctrl-click sur la flèche ici pour être arrivé directement sur cette méthode-là. Sauf qu'en fait, la vraie, vraie mauvaise pratique ici, c'est pas tant de faire des méthodes, c'est que de faire des méthodes qui mimétisent un comportement standard de Scala. Et moi, à aucun moment, j'ai imaginé que ça, c'était pas un tuple, et que c'était un appel de méthode. Sachant qu'il y a énormément d'implicites, très souvent, on a tendance à aller cracher sur les implicites pour comprendre ce qui se passe, et ici, c'était pas du tout le cas. Donc c'était un petit peu douloureux, et c'était un petit peu la source de ce talk aussi. Donc voilà, j'imagine que vous connaissez tous cette fameuse citation. Au-delà de la blague, quand on écrit du code, personnellement, j'essaye toujours de me dire comment il va être relu derrière, non seulement par les autres, mais surtout par moi derrière, et de vraiment me concentrer sur la partie lecture du code, plus que sur la partie écriture, parce qu'a priori, on écrit une fois du code, on peut le refactorer un peu, mais on va le lire énormément de fois, et plusieurs personnes vont le lire, et beaucoup plus tard. Donc c'est vraiment hyper important de se focaliser sur que la lecture soit évidente, et notamment moi, une des choses dont je suis attentif, c'est que si je fais des contrôles-clics aux endroits qui semblent évidents, ça doit m'amener sur les bonnes choses. Alors là, évidemment, le contrôle-clic sur flèche, ça m'a amené au bon endroit, mais là, ce n'était pas un endroit évident. Donc voilà, merci beaucoup d'avoir été présent, Happy Halloween. Et on vous met quelques liens de ressources, donc les slides, les repos avec le code. Et on a commencé à éditer chez Zinéa un guide de best practice. C'est du work in progress, mais vous pouvez aller voir, nous faire des retours. Et voilà. Merci. Question ? Ouais. Ouais, c'est pour répondre à la question que tu te posais sur la doc Scala officielle sur le package wide, sur les implicites. Alors oui, faut le faire, mais enfin, faut pas hésiter à le faire si tu veux que ce soit vraiment package wide. Mais il y a une astuce, c'est qu'il faut remettre un objet dedans,
Et ce que font très souvent toutes les libs qui sont pas trop mal faites, elles remettent un objet à l'intérieur du package, dans le package objet, un objet qui s'appelle implicite, et elles foutent les implicites dedans. Et si tu as plusieurs sortes d'implicites avec vraiment des rôles différents, tu l'appelles pas implicite l'objet, tu l'appelles quelque chose implicite, quelque chose d'autre implicite, et tous les implicites dedans. Comme ça, moi, je suis obligé d'importer explicitement. Ouais. Là où je les utilise, et je peux séparer en fonction de si je veux les implicites de ça ou les implicites de ça. Merci pour le commentaire. Et effectivement, ça rejoint un peu ce qu'on disait, c'est horrible que ça s'importe automatiquement. Et donc évidemment, on les met dans le package object, dans un objet qui du coup lui est importé automatiquement, mais qu'il faut importer le contenu de cet objet-là manuellement. Voilà. Moi, le vrai truc que je trouve horrible, c'est d'avoir zéro import en haut. Et que ça marche. Et surtout, ça m'est arrivé, tu prends la classe, tu la déplaces dans un autre package, et puis ça marche plus. Et puis tu dis, bon, un TJ m'a fait sauter les imports des implicites, je vais comparer. Ah non, il y a tous les imports. Bon, bah, je sais pas pourquoi ça marche pas. Les packages auto, t'as pas mal de libres aussi, toutes les implicites, quand on veut de la magie, vraiment volontairement, toute fois que un package s'appelle auto, t'as un port auto pour un underscore, et puis hop, la magie opère. Ouais. Donc effectivement, il y a le package souvent auto, donc qu'il y a dans Circe, CAT ou autre. C'est assez cool. Après, moi, je trouve que c'est quand même des choses très, très avancées qui sont peut-être réservées plus à des libs mainstream, bien documentées, que les gens connaissent et sont amusés, que vraiment du code applicatif qu'on code dans nos applications. Enfin, je garde quand même le côté de dans nos applications, on ne fait pas ça, point bas. Et évidemment, des libs peuvent prendre ces libertés-là. Merci. Bonne keynote.